Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le vent souffle, cette nuit il y a eu la tempête avec cette pleine lune et voilà, je ne sais pas où me mettre, donc je me mets là, dans un petit coin du village où je trouvais ça sympa. Je reviens avec je sais plus comment ça s'appelle ces plantes. Regardez le vent. Voilà, donc ça illustre bien ce qui se passe, il y a du vent. Et je ne savais pas où me mettre parce que j'étais vers la forêt, mais ça soufflait trop. Regardez, il y a du vent. Ça soufflait trop et les animaux sont rentrés. Donc je ne peux pas vous faire la course avec eux. Mais je le fais avec ces plumeaux. J'appelle ça des plumeaux. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. En tout cas, regardez ce bon vent, là, ce vent dans ces plumeaux qui souffle comme des plumes. Ça me fait penser à des plumes d'ange aussi. C'est magnifique. Donc j'ai le bras en l'air, je vais essayer de faire vite. Il y a des oies derrière moi qui crient. Il y a vraiment beaucoup de vent comme vous pouvez voir, mais je tenais à faire cette petite vidéo du matin. Je suis assez contente de moi, je sens que mon corps commence à se transformer doucement mais sûrement. Et je me sens à la marche matinale malgré ce vent. Bon, il pleut pas, donc j'en profite pour faire cette vidéo, mes petites étoiles. J'espère que vous avez bien dormi. Il y a les oies derrière qui n'arrêtent pas, vous entendez ? Alors moi j'ai passé une pleine lune difficile, c'est-à-dire que j'ai été vraiment chamboulée, j'ai mal dormi, pas dire pas dormi du tout. Ça a été un peu compliqué pour moi. Je baisse un peu mon bras parce que j'ai mal au bras, donc je baisse le feuillage. Voilà, c'est une nuit, comment dire, où j'ai très très mal dormi. J'ai senti les énergies de cette pleine lune en Lion. Ça m'a chamboulée, je suppose que je ne suis pas la seule. Après en plus hier la migraine, enfin je suis assez fatiguée ce matin, mais je tenais à vous faire cette petite vidéo matinale parce que je sais que vous l'attendez tous les matins et comme je peux, là je m'efforce de le faire malgré le vent, je vous la fais parce qu'il ne pleut pas. Voilà, j'espère en tous les cas que vous avez quand même bien dormi, que vous avez passé une bonne nuit, que la pleine lune ne vous a pas trop chamboulée. Je vais commencer à procéder au tirage parce que qu'il y a du vent. Lève, ça serait dommage. J'espère que vous m'entendez bien malgré le vent, parce que là je tenais le micro et là j'ai arrêté de le tenir. Et donc c'est la carte Vanessa qui est sortie. Vanessa, voilà. Donc peut-être que vous appelez Vanessa, peut-être que la personne de votre cœur s'appelle Vanessa. C'est vraiment une très très belle carte. En tous les cas, on vous dit, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine. Quel chemin m'en éloigne? Donc voilà, il faut vraiment écouter votre cœur, vous poser la question, savoir quel est votre chemin divin, qu'est-ce que le divin veut, quelle est votre mission de vie, est-ce que ça vous en écarte, vous avez une décision à prendre, mes petites étoiles. Donc réfléchissez bien, il faut peser le pour et le contre, mais je sais que le contre, mais je sais que vous allez trouver la solution, vous allez trouver la décision et la bonne voie à prendre, d'accord? En tous les cas, Vanessa est là. Alors, ça souffle bien, je vais mettre la carte dans la... Je vous fais un tout petit tirage aujourd'hui, hein. J'essaie de ne pas faire trop long parce que ça souffle vraiment. Je ne sais pas si vous voyez là, ça souffle. Alors, je vais essayer. Ah, il y a un camion qui arrive, j'espère qu'il ne va pas venir par ici. Parce que. Ah bah si, voilà. Alors attendez, je vais me pousser pour ne pas me faire écraser. Voilà. Je vais filmer mes plumeaux. Voilà, désolée, il y avait un peu de bruit. Ah, voilà. Alors, c'est la carte Teresa. La carte Teresa. Donc il y a peut-être une Thérèse qui me regarde, ou Teresa. J'espère que vous m'entendez bien. Et on vous dit stop, vous avez consacré. Alors attendez, je vais me mettre à l'abri du vent parce que là ça souffle. Attendez, mes petites étoiles, c'est pas évident. J'essaye de vraiment que le micro vous m'entendiez bien parce que là je pense que vous m'entendiez plus. Là vous devez m'entendre. Donc c'est la carte Teresa, magnifique carte. Et on vous dit stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres. Mais le moment est venu de prendre soin de vous. Voilà, c'est le moment, hein, Teresa, si vous appelez Thérèse ou Teresa, ou même la personne qui regarde cette vidéo, de prendre soin de vous et de penser à vous.
Vous avez pensé aux autres, vous pensez aux autres, mais on vous dit pensez à vous. Donc je le prends aussi pour moi. Il faut absolument que je me repose et je m'octroie du temps de repos. Mes petites étoiles, pensez à vous. D'accord ? Alors, on est dans les feuillages. Mais au moins on est à l'abri. Hein ? Je suis à l'abri du vent. Vous m'excuserez si vous avez la tête dans les feuillages. Mais je trouve que c'est sympa quand même comme décor. Alors, Océane. Alors peut-être que c'est aussi votre prénom ou la personne dans votre cœur. Quelqu'un, c'est un signe pour quelqu'un. Océane. Agissez. Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Décidément, ça correspond au tirage d'hier soir avec la pleine lune. On vous dit affirmez-vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Je ressens que vous êtes en pleine élévation, regardez. Vous vous élevez spirituellement, hein, vous allez dans la bonne direction et la bonne voie, vous avez une connexion avec la source. Et on vous dit agissez, vous savez ce qui est juste pour vous. Donc ça correspond à la première carte. Votre décision, vous le savez, vous avez au fond de vous la réponse. Alors ensuite, je vais vous tirer une autre carte d'un autre oracle. Hop. C'est folklorique, hein. Les gens ils doivent me voir dans le feuillage. Et de se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-ci, dans les feuillages. J'essaye d'attraper mes cartes. Alors... Regardez, très belle carte avec ses papillons. Moi, je sens que vous avez souffert. En tous les cas, on parle de la liberté, douceur. Non, pardon, je dis douceur, c'est pas écrit douceur. Il y a les voix qui volent. Bah oui, je me suis plantée. Alors, la liberté, nouer, lien, bonheur, purification. Des liens sont à couper. N'aie crainte. Tu penses à être seule, alors tu penses être seul, mais il n'est rien, il en est rien. Bien au contraire, tu fais de la place pour le renouveau et tout ce que tu dois, tout ce qui doit arriver pour toi. Et voilà, on vous dit fait couper les liens parce que tout ce qui, enfin là, voilà, il y a, on vous dit fait de la place pour renouveau. Pff, je suis fatiguée, hein. Vous voyez, il va falloir que je me repose. Hein. Tu fais de la place pour le renouveau et tout ce que tu dois. Tout ce qui doit arriver pour toi de bon. Voilà, on vous dit de couper les liens, prendre votre liberté pour le bonheur, pour vous purifier. Il faut vraiment couper les liens toxiques avec les personnes qui vous font du mal pour laisser la place au renouveau, pour laisser la place au nouveau. Faites du nettoyage autour de vous. Hein, c'est vraiment le... Vous en avez besoin. Et vous avez l'impression que si vous coupez avec cette personne, vous allez vous sentir seul, vous allez être seul, mais c'est pour votre bien en fait. Hein. On vous dit au contraire, ça va laisser la place à de nouvelles rencontres. Voilà. Donc il y a vraiment une transformation. Coupez les liens, regardez, libérez-vous. Libérez-vous de ces liens toxiques. Ces liens qui, des personnes qui veulent du mal, hein, qui ne veulent pas du bien de vous. Hein. Pour vous en tous les cas. Bon. Allez, on vous dit encore une autre carte. J'ai mal au doigt, je vous dis pas, j'ai une crampe. Hop. Regardez. Très belle carte, très belle couleur aussi. Hein. Moi, je vois que vous avez plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous, se présenter à vous. Je vois qu'il y a de la communication avec l'eau, avant même d'avoir lu. Laisse exprimer tes émotions. Bah oui, avec la pleine lune. Hein. Il faut vraiment laisser exprimer tes émotions. Voix, expression, libération, intégrité. Il faut vraiment que vous soyez fidèle à vous-même et que vous assumiez qui vous êtes et exprimez vos émotions, ne pas vous taire. Les laisser sortir si vous avez besoin de pleurer, de crier, de vous rebeller, comme je vous disais hier soir avec le tirage de la pleine lune. C'est le moment. Hein. Alors, elles ne sont que des messages, elles te rendent humaine. Plus tu les exprimes, plus tu ouvres ton cœur à toi-même et aux autres. Tu n'as plus peur de tes blessures. Elles vont et viennent sans t'atteindre car tu laisses couler librement en toi. Donc là, il faut vraiment les laisser sortir, ces émotions. D'accord ? Il ne faut plus avoir peur de vous exprimer, de les exprimer. Voilà, je vous montre la carte. Voilà, voilà, mes petites étoiles. Allez, une dernière et puis on va... Voilà. Très belle carte. On parle de repos, d'amour, avec cette forme de cœur.
Je pense que vous êtes en repli sur vous-même. Vous avez des émotions, hein, vous le dit. Regard vers le cœur. Changement, être, confiance. Donc ayez confiance, le changement arrive. Hein. Votre âme vous parle là. Hein. Peut-être es-tu en lutte, être dans un état qui ne te correspond plus. Ça tombe bien, c'est ce que tu veux au fond. Quitte cet état qui t'épuise. Oh là là, le vent. Qui t'épuise et te morfond. Va vers l'état qui te va le mieux, dans le cœur, même si cela est aux antipodes de tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Elle est là, la transcendance. Magnifique carte, hein, vous dit vraiment d'assumer pleinement qui vous êtes, d'aller peut-être dans une direction et d'assumer vos sentiments, peut-être dans une direction que vous n'auriez jamais pensé, hein, et qui ne vous correspond peut-être pas au départ, mais là, ce que vous vivez, ça ne vous correspond plus. D'accord ? Donc un regard vers le cœur, changement, être confiante, confiance. Je vous remonte la carte. Voilà, il y a beaucoup d'émotions avec la pleine lune. Mais c'est pas pour rien, c'est pour nettoyer, c'est pour faire de la place au nouveau, au renouveau. Alors avec le vent, je ne sais même pas si vous m'entendez bien. Le micro, il est haut. Oh là 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 là, c'est quelque chose. Hein. Ah bah vous n'avez pas dû m'entendre. Le micro il est en bas, vous n'avez pas dû m'entendre. Bon, je vais quand même poster la vidéo. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Je me suis mis à l'abri d'un bosquet, mais ça donne pas grand chose. Donc j'espère en tous les cas que vous avez entendu, mais j'ai l'impression que le micro était en bas par terre. Le vent avait. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Si vous êtes dans la tempête comme moi, accrochez-vous à vos émotions. Avec les émotions, accrochez-vous. Ça chamboule, ça bouge. Ça nettoie, regardez. Voilà, un coup de balai, un coup de vent sur le passé, sur les émotions. C'est le moment de nettoyer. D'accord, mes petits étoiles. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une belle journée. Courage à vous.